Allez. Encore un lot, top. Hein? Non, non, aujourd'hui, j'ai travaillé tout hier pour rester libre comme ça. Sinon, je ne peux pas parler tout le matin comme ça. D'habitude, je n'ai pas le temps. Non, c'est pour vous, pour faire eh ben, c'est un super. Bon reportage. Il faut rester comme ça, non? Tell me what you like, yeah, tell me what you don't. I could be buzz like, yeah, fly across the globe. I don't ever wanna fight. You already know I'ma make you shine bright like it land in the snow. Girlfriend, girlfriend, you could be my girlfriend. You could be my girlfriend till the world ends. Make you dance to a spin in the twirling. Boys going crazy on the souk like a whirlwind. I'd like to be everything you want. Girl, let me talk to ya. If I was your boyfriend, I'd never let you go. I keep you warm, my arm, girl. You'd never be alone. Oui, j'entraîne à Vigone, c'est un pays dans la campagne à côté de Turin. C'est 20 km ici, de Vinovo, dans les champs courses de Vinovo. Donc, bon, 20 minutes. Normalement avec le camion. Et bon, je le bats, j'ai une ligne droite de 800 mètres, une piste ronde de 1000 mètres, une petite piste à l'intérieur de 800 mètres pour chauffage comme ça. Bon, j'ai 4 manèges en liberté, deux petites, je ne sais pas comment ça s'appelle, pour tourner les poulains là-bas. Deux ronds avec la sable. Et une belle promenade, tu peux promener, c'est pas gros bois, mais tu peux promener pour dans la campagne pour dizaines de kilomètres. Voilà. Tu peux marcher au pas dans les roues de campagne. Tu peux nous expliquer ta méthode d'entraînement, le fait d'avoir ligne droite et piste ronde, tu alternes les deux? J'ai pas encore compris mon méthode. Attends. Non, j'ai pas encore compris bien. Parce que ça dépend des chevaux. Moi, je change beaucoup. Je cherche toujours le bon entraînement pour chacun. Parce que je pense qu'un système il va changer pour chacun cheval. Buzz like it, fly across the globe. I don't ever wanna fight, yeah, you already know. I'ma make you shine bright like you're laying in the snow. Girlfriend, girlfriend, you could be my girlfriend. You could be my girlfriend till the world ends. Make you dance to a spin and a twirl. And boys going crazy on the souk like a whirlwind swaggy. I'd like to be everything you want. Hey, girl, let me talk to ya. If I was your boyfriend, I'd never let you go. Oh, oh. Là, j'ai 18 ans. Là, c'est Casoli, Baroncini, c'est Gremani. Là, regarde. Là, t'as 18 ans là sur cette photo-là, Marco? Oui. Et là, regarde. Au derby de Tac-Tac, Rafale, couru à Vincennes, couru avec derrière Dubois des Fidonou. Placé à Vincennes, première course que j'ai couru à Vincennes, jument de l'année à l'Italie, mon tourbillon. Ah oui. Et là, regarde Jules. Ah ouais. Ouais, Jules là. Regarde Fanny Doll et Zinzan sur le poteau de l'Atlantique. Là, c'est Fanny Doll qui bat Zinzan Brutour. Et là, c'est petite Zinzan. Regarde les tribus de Tordival avant. Regarde. Le Rafale, les courses de 2 ans à Tordival avant. Maintenant, est fermé. Beaucoup de personnes sur la tribune. Là, c'est le derby à Madrigale. 1990. Madrigale. Troisième du derby. Premier derby que j'ai couru. À 25 ans. L'année après, j'ai gagné avec Nevaio. Étalon en France après. Ah oui, c'est le Nevaio qu'on connaît. Là, c'est le hit de derby, du jour de derby. 1991, Tordival. Là, c'est Monsieur de Folleville, était là,
en prémiation. D'accord. Maurice de Folleville. Et là, c'est la finale de loterie d'Agnano. Libeccio Griff qui gagne sur le poteau. C'est 5 ans avant là-bas. La finale de loterie d'Agnano. De Naples. Là, c'est le premier cheval que j'ai entraîné tout seul. Là, j'ai 17 ans là-bas. Je n'ai pas encore la licence. C'est un cheval à mon père, Acme. Un cheval qui m'a cheville déjà dans le temps. Voilà. C'est le musée Marcus Morgan ici. Voilà. C'est un petit peu de la vie. Madrigale, troisième derby. Kranz Christi pour Monsieur Borini. Je suis entraîneur particulier pour 23 ans, pour cette écurie. Que maintenant, aujourd'hui, il a le favori du derby encore. Monsieur et Madame Borini. Ça ressemble aussi à une casaque qu'à Santomolo. C'est les mêmes ou pas? Oui, après moi. C'est Santomolo là? Oui, oui. Ah d'accord, ok. Maintenant, c'est plus Santomolo, c'est Andrea Guzzinati. D'accord. Après moi. Moi, je suis resté là-bas pour 23 ans. J'ai couru que pour lui. Là, c'est Makalou, un cheval fils à Deonion. Cheval suédois, Deonion. J'ai gagné beaucoup avec lui. Alors, tu as fait 23 ans chez ce monsieur-là, et après, qu'est-ce qui t'a décidé à te lancer? Après, je suis parti tout seul, j'ai pris des propriétaires et j'ai gagné beaucoup de courses après. J'ai gagné, je ne sais pas combien de courses de groupe, mais je pense que là, j'ai plus de 2000 courses gagnées à côté. Et avant, je n'ai pas beaucoup d'effectifs avec la Louisiane, parce que l'année que je débourrais plus des chevaux, ce sont peut-être 10. Maintenant, j'ai des bourres dans quelques années, 30 toutes les années. Peut-être 2-3 Français aussi, maintenant. Voilà. On court, on dort, on court, on se réveille. Le temps court encore, on est à court de sommeil. On court, on bosse, on court après le train. On court comme des gosses, on ne sait plus où est le frein. On court, on vit, on court, on est mort. On dit stop, c'est fini, le temps court encore. On court après l'amour, après la prochaine rencontre. On court comme des gamins, on ne sait plus où est le frein. Venez, on s'arrête et on ferme les yeux. On contemple la mer, on contemple les cieux. Venez, on s'arrête, on marche dans l'autre sens. On revient sur nos pas, on s'arrête et on danse. Ici, Marco, t'es là depuis combien de temps? Je suis là de 1991 avec Nevaillot. Je suis venu ici pour avoir une piste plus souple et pour faire vivre mon cheval en dehors. Et je suis parti au centre d'entraînement dans 1991. Et t'as trouvé ce centre comment, par hasard? Oui, je suis là-bas, je suis content. J'ai préparé beaucoup de chevaux ici pour gagner à l'Italie et en France aussi, un petit peu.
Et bon, ici, nous avons un bon temps, des belles saisons. Et c'est normalement, tout s'est passé bien ici. Je reste ici toute la vie parce que je suis bien. Comme ça, je suis content de courir en France des meetings à Vincennes ou en Provence aussi. Mais je suis content aussi de rester ici et faire quelque chose pour mon pays. Et puis tes chevaux doivent être contents aussi de revenir ici parce que les herbages sont magnifiques, c'est remarquablement entretenu. Vous avez vu quelque chose, nous ne sommes pas les derniers. Nous ne sommes pas le même niveau de la France parce que vous avez une agriculture qui est la troisième du monde. Nous ne sommes pas compétitifs sur ça, mais nous sommes compétitifs un petit peu avec les chevaux. Nous avons un petit peu de qualité et on travaille pas mal avant. Maintenant, tout il va baisser. Je ne sais pas après ce qui se passe pour nous. Le rebelde de Titana, cubierta de flores.